Bonjour. Je veux montrer aujourd'hui comment installer un VPN et comment effectuer des appels par WhatsApp. Et surtout pour des personnes qui habitent au Maroc et qui ont ce problème d'interdiction du VoIP par les opérateurs téléphoniques. Donc pour cela, il suffit seulement d'installer un logiciel qui s'appelle Touche VPN. Donc vous allez sur Play Store. Et vous tapez touche VPN. Donc, c'est le premier. Vous cliquez là-dessus, vous faites installer. Pour moi, je l'ai déjà installé. Et après, vous patientez le temps que l'application s'installe. Vous cliquez sur l'icône. Et après, ici, vous sélectionnez. Donc, vous sélectionnez un pays qui est tout près de chez vous. Donc, pour le Maroc, la France, ça serait idéal. Donc, parce que le VPN, c'est un ordinateur qui existe sur ce pays-là. Donc, la distance aussi, ça permet d'avoir une connexion plus rapide ou bien une connexion longue. Donc, vous faites connecter. Vous patientez le temps que la connexion s'établit. Comme vous voyez. Donc, vous avez un message comme quoi le VPN est déjà connecté. Et normalement, comme ça, bon, donc vous avez une clé tout en haut. Donc, c'est le symbole ou bien l'icône de cette application. Elle vous indique comme quoi qu'elle est connectée au serveur et que vous pouvez l'utiliser. Donc, maintenant, on va essayer d'utiliser. On va essayer d'utiliser le WhatsApp. Donc, comme vous voyez, je vais essayer d'essayer de contacter une personne. Donc, je prends son numéro. Donc, comme vous voyez, ça sonne. Donc dès que cette personne décroche, donc ça part. Allô, allô? Allô, allô? Ça marche? Ça marche? Donc, comme vous voyez, c'est une méthode très simple pour essayer de détourner le blocage du VoIP. Et vous pouvez utiliser votre application et faire des économies. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous essayez de partager l'information ainsi que tout le monde peut bénéficier de ce service gratuitement. Merci d'avance. Et bonne journée et à la prochaine vidéo.